La femme guinéenne s'est levée pour prendre son destin en main. La femme guinéenne s'est levée pour dire que nous sommes en retard. La femme guinéenne, depuis un an et quelques, nous n'avons rien dit. Mais aujourd'hui, si nous sommes là, ce n'est pas pour critiquer le pouvoir en place. Au contraire, nous sommes là pour les aider. Nous sommes là pour les aider en tant que mère, en tant que fille, en tant que tante, en tant qu'épouse. Nous sommes là. Ceux qui sont là aujourd'hui, ce sont nos enfants. On est venu juste faire un plaidoyer. Un plaidoyer de quoi? Nous demandons pardon au nom de toutes les femmes guinéennes. Pardon au président Mamadi Doumbouya. Pardon à tous les Guinéens. Nous demandons à notre président, cher président aujourd'hui, de faire preuve de clémence. De faire preuve de clémence. Ceux qui sont aujourd'hui en prison, ceux qui sont en exil, ce sont ses frères, ce sont ses oncles, ce sont ses amis. Nous lui demandons d'essayer de revoir un peu leur cas. Il y a des cas qui sont aujourd'hui un peu compliqués, des cas qui sont alarmantes. Quand nous apprenons la maladie de d'autres, et ces autres-là aussi ont gouverné ici. Je veux, au nom de toutes les femmes, dire à notre cher président, qui nous tient à cœur, que la femme guinéenne est là pour l'accompagner, pour les aider. Nous avons un ministère des femmes. Et ce ministère des femmes-là, si nous ne sommes pas partis vers eux, parce qu'on ne veut pas, les Guinéens sont très faciles à dire, c'est madame la ministre qui les a poussés. Ils sont faciles à dire, c'est madame la gouverneure qui les a poussés. On a dit, on va venir d'abord vers l'imam Mosquée Faïsal, avec ses amis, Monseigneur Vincent Koulibaly, malheureusement qui n'est pas là aujourd'hui, leur demander de nous accompagner auprès de nos enfants, de nos frères, les genoux à terre, leur demander pour l'amour de Dieu. Nous ne voulons pas un deuxième Lounseni ici. Ils n'ont pas fait exprès. La maladie, quand le jour arrive, c'est venu. Quand tu dois partir, tu dois partir. Mais quand ça se fait, on condamne qui? On condamne le pouvoir en place. Donc, nous voulons aujourd'hui que Monsieur le Président Mamadi Doumbouya accepte de faire preuve de clémence, pardon, pardonner ses frères, pardonner ses papas. Ce qui s'est passé est passé. Qu'on fasse table rase, qu'on fasse table rase. Et cette table rase-là, pour que la Guinée avance, nous voulons que la Guinée avance maintenant. Et nous-mêmes, nous allons nous impliquer derrière notre ministre et derrière notre gouverneur, deux femmes qui sont là aujourd'hui, qui ont le destin des femmes de la Guinée en main.